avons gagné à Poya, et si je suis maire, c'est d'abord grâce à toute l'équipe, tout le travail qu'ils ont fait derrière moi. C'est aussi grâce à notre liste d'union, car nous sommes une commune du Nord, et dans le Nord, pour gagner, il faut être unis. Nous avons aussi beaucoup, beaucoup travaillé. Hein, c'est le secret d'une réussite, c'est-à-dire toute la journée, maison par maison, au village, dans les propriétés de Poya Sud, à Népouy et dans les 7 tribus, jusqu'au fond des vallées, la vallée Naou à Guapin, la vallée Nawipi pour ceux qui connaissent, et jusqu'en haut de Montfaoué, et le soir des réunions publiques. Vraiment, nous avons énormément travaillé à partir du 3 mars. Mais écoutez, je voudrais ici, bien sûr, remercier les électeurs, remercier l'équipe, mais remercier deux personnes qui nous ont énormément soutenus, pas en nous disant quoi faire, en nous laissant faire, mais en nous téléphonant, en nous écrivant pour nous soutenir, pour nous dire de continuer les réunions pour réussir l'union. C'est messieurs Gérard Poitja et Philippe Gomez. Nous ne les remercierons jamais assez. Ils ont fait partie de ce succès par leur soutien. Alors écoutez, vous avez des familles dans le Nord, vous avez des amis dans le Nord. Le Nord commence à Poya. Vous y allez les week-ends. Vous parlez, ou plutôt vous écrivez beaucoup par Internet, par SMS. Dites-leur de ne pas écouter les voix de la discorde et que pour voter pour les provinciales, si la liste d'union ne s'est pas faite, il faut voter la liste de Gérard Poitja, une province pour tous, car il continue encore jusqu'à mardi matin à essayer de la faire, cette liste d'union. N'écoutez pas les voix de la discorde qui disent qu'ils n'en veulent pas. Au contraire, Gérard la veut, cette union. Philippe la veut. Ils continuent ce travail. S'ils ne réussissent pas, ce ne sera pas de leur faute. Et alors, dites bien de voter une province pour tous, Gérard Poitja. Merci beaucoup. Bonne journée. Encore une fois, joyeuse Pâques de la part de Poya. Nous avons fait 17 sièges sur 23 sièges. L'opposition, les deux groupes indépendantistes, Union FLNKS et UNI, se sont mis dans toutes les commissions et ainsi nous travaillons ensemble.